Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'une comédie musicale adaptée d'un film. Et oui, encore une fois, mais cette fois c'est plus un film pour ados. Et donc on va parler de Mean Girls, ou Lolita malgré moi en français. Oui, je sais, bon, moi aussi j'ai du mal avec les dits français. En 2004 sort un film qui va devenir culte pour une génération entière, qui s'appelle donc Mean Girls, hein, comme je vous l'ai dit. Ce film s'inspire d'un livre de développement personnel qui étudie les situations sociales auxquelles peuvent être confrontés les lycéens américains. Et c'est l'actrice Tina Fey qui va tomber sur ce livre et qui va avoir envie d'en faire un film. Et elle aura aussi un petit rôle dans le film. Et au fur et à mesure des années, une grosse communauté s'est formée autour du film, surtout aux États-Unis, au point même que certaines répliques soient devenues cultes aujourd'hui. Si bien que le film a eu droit à une suite en 2011, mais bon, il paraît que c'est pas tip top, hein. Bon, j'ai pas regardé, j'ai pas voulu voir ça. Enfin bref, tout ça pour dire que Mean Girls est depuis resté dans les mémoires, et que c'est tout naturellement qu'en 2013, Tina Fey annonce qu'elle est en train d'écrire la version comédie musicale. Le spectacle arrivera finalement en 2018 à Broadway, et depuis c'est plutôt un bon succès critique et public. Globalement, ça reprend l'histoire du film en y apportant quelques aspects plus modernes et plus contemporains afin de coller plus à notre époque. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, je vous encourage fortement à aller le voir hein, parce que c'est un très bon film. Et alors voici ce que ça raconte. Kelly est une jeune fille qui a vécu en Afrique avec ses parents parce qu'ils étaient scientifiques, ils travaillaient là-bas, et finalement elle va retourner aux États-Unis d'où elle est originaire et va découvrir le monde impitoyable du lycée et avec ses codes, ses règles qui sont toutes nouvelles pour elle, et au fur et à mesure, malgré elle, elle va devenir l'une des filles les plus populaires de ce lycée. Cette comédie musicale connaît donc un très bon succès à Broadway depuis 2018 et devrait très bientôt arriver à Londres. Et encore mieux, elle va être adaptée en film. Et ouais, on peut dire donc que la boucle est bouclée puisque c'était à l'origine un film. Alors hélas, je n'ai pas eu la chance de pouvoir voir ce spectacle en vrai, mais j'ai écouté en boucle l'album pendant un bon moment, et j'ai vu pas mal de vidéos aussi sur YouTube, et je dois dire que ça donne très très envie, c'est vraiment tout ce que j'aime dans les musicals de Broadway. C'est drôle, c'est rythmé, les chansons sont très diversifiées et apportent vraiment au personnage et à l'histoire, et en plus les chorégraphies ont l'air hyper originales et hyper travaillées. Bref, je pense qu'il n'y a aucun moment de répit dans cette comédie musicale, qu'on en prend plein les yeux et les oreilles, et ça me donne très très envie d'aller voir ça dès que ça arrivera pas très loin de chez nous, à Londres, j'espère. Et ça me paraît même mieux que le film par moment, qui était déjà très intelligemment bien fait. Ça montre très bien la capacité de Broadway d'adapter avec brio des films qui ont déjà eu un gros succès au cinéma, et ce qui est encore plus dingue avec Mean Girls, c'est que cette version comédie musicale est en train de devenir plus culte que le film lui-même. Et ça va pas s'arranger avec la sortie du film, donc. Bref, pour moi, cette comédie musicale mérite amplement son succès, et je rêve donc de pouvoir un jour la voir sur scène, hein. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager ce petit coup de cœur, alors que j'ai même pas vu le spectacle, alors c'est dire à quel point j'aime cette comédie musicale. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont eu l'incroyable chance de pouvoir voir cette comédie musicale en vrai, bah mettez-moi votre avis en commentaire, j'attends ça avec impatience. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à laisser un petit j'aime en bas de la vidéo, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux. Ciao !